Bon, es-tu prête? Oui. Oui. Et salut à tous, c'est Fox et Miss. Salut à tous. Et on se retrouve aujourd'hui. Ça y est, je suis vraiment avec la Miss. Je suis désolé. Eh, on a retenté l'intro d'L7, c'est Fox parce que bah, cette fois, je suis en compagnie. Je suis en compagnie, on n'avait pas le choix de le faire. Salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour notre part, Ça va ça va nickel. nickel. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de Euro Truck Simulator avec BXNO bien sûr. Et bah ça va? Bah écoute, ça va et toi? Et bah c'est nickel. Je t'ai demandé si ça va, tu m'as dit oh bah c'est nickel. Ah! Bah super. Et on est à bord de notre magnifique camion. Tu l'aimes bien mon camion? Ça va. Et là, regarde du coup, c'est le nouveau Renault du jeu. C'est celui que t'as fait en En enfin que stream, t'as en live. découvert en stream l'autre Ouais. jour. Donc le Renault T. Pardon. Renault T, bah nouvelle génération là, en fait, tout simplement, voilà. Je m'y Donc. connais absolument pas donc. Non mais moi non plus, mais comme c'est un Renault, c'est censé t'exciter. Ah Et du coup, tu vas conduire ça voilà. aujourd'hui. Donc les amis, aujourd'hui, épisode Euro Truck où c'est BXNO qui va conduire le camion. Hein, donc voilà. Ça fait une éternité que j'ai pas roulé avec ton G20 C'est vrai. Et on est sur en. Euro Truck, hein. Juste que tu saches, parce qu'elle a toujours roulé en manuel quand tu roulais. Ouais, Et on est c'est. en Voilà. automatique. Comme les antibiotiques. Bah non, parce que les antibiotiques, c'est pas toujours automatique. Du coup, il y a un événement en cours, c'est Cruising Iberia. Bah, j'ai pas encore le DLC Iberia du coup. Et j'imagine qu'il faudra peut-être lire du coup, hein, mais il faut faire les contrats externes et faire 250 000 km dans Iberia, globalement, donc au Portugal. Voilà. Donc on fera ça, sauf que j'aurai pas Iberia quand l'événement sera déjà fini, quoi. Ok, du coup, on va faire marché du travail, offre de traction. Et regarde où nous sommes à Munich. Tu connais bien Munich. J'y étais déjà, je crois. Eh ben voilà. Ah non, j'y étais jamais. Ah tiens, bah voilà. dis-moi ce que s'il y a un truc qui t'intéresse. Après, le problème, c'est que là, c'est des très. C'est très grand. Hein. Ah ouais. Du yaourt, c'est bien le yaourt. Ouais. Ça me fait Hein? penser à une vidéo. Ah ouais, d'accord! Ah oui, d'accord! Un extrait maintenant. Direction Munich à. Non, direction Francfort. Francfort. Oui! Francfort. Départ Munich, direction Francfort. Et c'est parti, c'est carré, je te définis l'adresse. Et tu vas gérer. Ça fait trop bizarre. Ça va, t'es bien ou pas? Ouais, ça va. Est-ce que quand tu regardes droit devant, t'es centré? Bah écoute, je dirais que Ou oui, tu hein. veux regarder plus bas peut-être? Non, c'est bon. Peut-être mieux comme ça. Moi, ça me va comme ça. Ok. Eh bah du coup, tu vas pouvoir mettre le contact. Ah, C'est quoi? je veux que tu fasses tout, c'est ce bouton-là. Le rouge là? Ouais. Il est temps Pas d'aller travailler. le bouton rouge! Ça, c'est bon. Pour démarrer le moteur, c'est l'autre à côté. Voilà. T'as déjà les feux allumés, c'est formidable. Pour enlever le frein à main, c'est ici. Pour mettre le démarrer, tu pousses le levier. Devant? Ouais. Et après, tu roules. Je sais même pas comment on sort. Je sais pas où est la sortie non plus. Ah. Regarde à gauche, regarde à gauche. À gauche? L'autre À gauche. gauche. Ah, c'est par là la sortie. Ah. Tu crois que je peux faire un genre demi-tour Ouais, là comme essaye, ça? ouais. Attends, il y a quoi là? Ouais, c'est ça, Ça faut que va, tu il y a fasses de la demi-tour. place. Donc. J'ai pas assez de place. Mais si, tu fais un 8. Tu prends là, tu prends large, tu fais un Ah, 8. ouais. T'inquiète. De toute façon, t'as pas de remorque là. C'est vrai? Ah oui, il faut que tu cherches ta remorque là donc. Oh yeah! Attends, je sais pas, je connais pas la largeur du truc. Si, c'est bon, on la braque à fond. Et c'est parti, voilà. Continue, n'aie pas peur. Là, je fais le Ça va mec. pas passer. Non, Si. ça passe Si, ça. regarde ton rétroviseur là, ça passe. Où ça? Là, celui-là, regarde. Vas-y, vas-y, Je avance. comprends rien, ce Co rétro. continue de braquer. Voilà. Regarde, ça passe. Tu vois même pas le mur. Ouais. C'est passé. N'hésite pas à repartir droit. Hein. Voilà, tu vois? Et je fais le mec pro en manœuvre alors que j'y connais rien. Mais là, ça passe. Ok, là j'ai pas de remorque alors. Non, là, t'as rien. Ah ouais. Et j'ai l'impression qu'ils sont mal réglés les rétros. Ah mais avec la remorque ça sera autrement, c'est ça? Oui, je pense. Mais après, tu pourras régler si t'es pas fan. Donc faut que je m'arrête là? Bah, c'est le Sur la porte. case? Non, non, c'est bon, c'est bon. Ok. On va chercher là-bas, quoi. Alors, il faut que j'aille où? À droite. À droite. C'est ça. Tournez à droite. Ça fait trop bizarre. Ouais.
Et... trop bien. Et tu vois, regarde, ça c'est le rétroviseur de devant, donc par exemple là tu vois que tu colles pas la voiture. Ça y est, elle est lancée. C'est parti. N'oubliez pas le pouce bleu les amis. Et faudra que tu prennes, regarde un peu le GPS de temps en temps quand même, hein, parce qu'à un moment donné, faudra que tu prennes à droite pour rentrer. De toute façon, après, je peux pas aller plus loin. Ah, mais en fait, ta casquette, elle est vers le haut. Tenez la droite. Ah, ouais, ouais. Puis tournez à droite. C'est pour ça que tu regardes un peu le ciel. Mais si ça me va comme ça. Ok, nickel. Donc là, ouais, à droite. Ah, mince. Tournez à droite. Bah, tu vas pouvoir voir l'extérieur du camion en vrai. Regarde. Oula, c'est quoi ce bruit? La moto derrière. Ah, ouais. L'extérieur du camion. Regarde les clignotants. Ah, ouais, stylé. Stylé. Voilà. Et si tu veux faire un coup de trompe, c'est ça. Voilà, voilà. Alors les feux risquent d'être longs. Hein. Super. Voilà, que tu saches. Parce que du coup j'ai un mode qui permet de rajouter les durées des feux. Et là tu reprends à droite. Tenez la droite, puis tournez à droite. Tournez à droite. J'arrive pas à doser le frein. C'est ici que ça se m'arrête où? Là sur le point. Hop, voilà. Tu vas pouvoir prendre ta livraison, enfin ta traction. Donc le yaourt. Mm-hmm. Allons-y. Et tu vas pouvoir prendre ta remorque. Alors elle est où? C'est laquelle? Ah bah elle est derrière. Elle est au fond. Ok. Il y a une Twingo, il y a ma voiture. Ah non, c'est même pas des Twingo. Ouais. Petit avion de chasse, tu l'as vu? Ouais. Tu fais du coin d'œil. Alors? Tu la vois? Ça doit être celle laquelle? Elle est marquée là. Ah ok, ouais, c'est celle-là. Ouais, mais elle est longue la remorque. Ah oui, c'est une double remorque. Hein. On fait quoi? Bah, tu la prends. Et comment on fait? Ouais. Alors on va mettre les warnings en même temps. Hey! Oh, vas-y, avance encore un peu peut-être. Voilà, on met un peu les roues droites pour contrebraquer. En vrai, je pense que là, tu serais pas trop mal. Hein. Comment? Ah, et pour reculer, pardon, c'est le levier. Hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, ok. Attends. Aïe. Il est où le rétro? Attends juste, comment on fait pour avoir la distance? Comment ça la distance? Et par contre j'ai vraiment du mal avec la... Ouais parce que t'es mal réglé en fait. Ouais, mais ouf. Comment on fait pour avoir la distance entre ce qu'il y a derrière moi et... Comment je sais à quel moment je peux attacher la remorque? Ah t'auras une truc. Ok. C'est comme dans la vraie vie lol. Par contre là t'es pas bonne. Hein. Je vais tourner ta casquette, j'ai pas réussi. D'ailleurs les amis, j'ai mis en description, ça y est, le lien du site de Trackier, parce qu'à chaque fois vous me demandez c'est quoi. Donc j'ai mis le lien du site en description et je suis pas affilié. Et voilà, ça reste un bon investissement. Hein. Voilà. Wouh, c'est parti. En réalité t'aurais pu te... Voilà. Ah ouais, bien vu. Et puis tu vas pouvoir partir, c'est parti. Attends, juste. Ouais, alors je fais juste bien gaffe, parce que bon déjà mets-toi en avancée. Et du coup, c'est une double remorque que t'as. Donc, pars pas trop vite à droite là. Non, mais en fait, ça me stresse. Genre, j'ai vraiment besoin de tourner la tête hyper loin pour regarder le rétro là-bas. Voilà. Hyper loin? Oui. Bah, comment t'enlèves les warnings? Ici là. Où ça? Celui-là. Là? À côté. Ouais. Pars pas trop vite à droite. Hein. Regarder les rétros. T'inquiète. Tu veux le rétro artificiel? C'est-à-dire? Bah celui qui est tout le temps en permanence. Si jamais ça te stresse de... Ouais. Tu veux? Ouais. Bon. Bah désolé les amis. Au moins, voilà. Ah ouais, on entend quand même mieux. Ah, forcément. Attends, c'est où? C'est là qu'il faut sortir. Ouais. Et il faudra que j'aille à droite, gauche.
à gauche. Hé hey, mignonne, j'ai hâte de voir comment tu vas te débrouiller avec la double remorque. Oh là là. J'ai pris tellement de violon. Tenez la gauche. Ah merde, c'est gauche. À gauche. La pire. Tournez à gauche. J'étais tellement concentrée pour. Oh là, mais n'importe quoi. Eh, ici, c'est chez moi. Je fais ce que je veux. Incroyable. C'est quand tu veux, tu dis un verre, parce que là, je prends toute la place. Ce moment gênant, tu sais, ouais, où t'es dans la... Tu sais que t'es pas bien placé. Ok, après, c'est... Voilà. Alors, juste faire attention, prochaine coupure dans 6 heures, 5 heures... Ah oui, c'est bon. T'auras pas besoin de faire de coupure. En théorie, hein. Tenez la droite, puis tournez à droite. Oh, et le virage, il va tourner être à droite. Bah, prends large, hein. Ce que je te conseille. Attention, ça passe. La pression. Préparez-vous à tourner à droite. Waouh. Tournez à droite. Attends. Après ça va, t'as le rétro. À droite. Quoi. Ouais. Allez, on appuie sur la pédale. Hein. Ouais, mais j'essaie vraiment de faire attention à derrière. T'inquiète. Oh. C'est sympa les avions de chasse là comme ça. Alors au point tu vas kiffer. Oh non. Au point, prenez la première sortie. Ah bah y'a personne. Ça va, c'est un point tout droit. Ouais. Tu l'as vu. Deux. Sortez maintenant. Bah, tour rétro gauche. Bah ouais, mais okay. Calme un peu quoi. Carrément. Allez, c'est parti. Ah j'ai envie de t'enlever le rétro là, hein, tellement c'est simple. Mais en vrai, le champ de vision, je suis désolée, c'est un peu tendu. Hein. Hein? Faire serrer ton champ de vision. Bah justement, on voit mieux. Et après, tu tournes la tête pour voir ton rétro. Ouais, faudrait que t'ailles tout à gauche. Mais tu restes sur l'extérieur. Non, tu restes sur l'extérieur. Au point, prenez la deuxième sortie. Il y a une voiture là, elle va me faire de la merde. Oh là là. Mais en plus, il y a le panneau. Mais ils roulent comme des fous. Je me fais avancer. Ouais. Sortez maintenant. Et les bus aussi du coup. Ok. T'as déjà pris ça. Eh ben parfait, si tu t'es pas trop mal débrouillé. Oh, enfin l'autoroute. Ouais. Ah c'est pas drôle, t'as j'aurais dû te faire prendre des petites routes en vrai. Ouais, ça va calme aussi. Après c'est une double remorque. Mais tourne la tête à droite pour voir le rétro. Ah ouais, bah c'est comme ça. Ouais, l'avion de chasse il m'a fait peur. C'est vrai. J'ai vu dans le rétro arriver comme ça. Incroyable. Il tournait tout. Et c'est trop stylé. Il y a de la vie de ouf. Et merci les amis. Oh, c'est un peu tard. C'est un peu tard, mais je voulais vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo. Voilà, vous m'avez souhaité joyeux anniversaire, ça fait plaisir. Et la qualité graphique qui a changé aussi. Donc, vous m'en avez fait part. Merci à vous. Ça fait zizir. C'est bien.
Ah, alors si tu veux aussi le régulateur, si jamais ça t'intéresse, c'est le bouton milieu à droite. Quand t'appuies dessus, ça te met la vitesse où t'es. Il n'y a pas pour mettre plus ou moins, mais... Ah, mais c'est vrai que je pourrais le faire. Bah, les autres boutons, ils sont libres. Bah justement, non, mais du coup, je vais les libérer, ça peut être pas mal. Parce qu'en fait... alors attends, je vais t'essayer de concentrer. Parce que là... Très bien. Mais tu vois, limite, t'as pas besoin du rétro. Hein. Parce que du coup, en fait, le bouton en haut à droite, c'est pour zoomer. Et le bouton en bas à droite, c'est pour klaxonner, tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce que finalement... Parce qu'en vrai, le zoom, je m'en sers beaucoup, mais... Ça peut être sympa de pouvoir faire plus ou moins. Elle s'en fout. Non, mais je le dis avant, qu'il y ait, avant que dans les commentaires on dise hey, regardez, à 18 minutes 22, VXNO elle s'en fout de ce que Mkolo il dit. Voilà. Oh, le motard il a failli passer. Hein. C'est bon ça. C'est bon ça. Par contre, le camion, regarde, lui il est totalement pas bon. Lui. Il est tout à gauche. Je sais même pas qu'est-ce qu'il doit. Il va se faire douper par la voiture du milieu. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Franchement, fais gaffe. Hein. Tu sais pas ce qu'il va te faire lui. Niveau essence, je sais pas où on est. Ah, c'est bon. Là, le camion il se rabattra jamais. Hein. N'hésitez pas en commentaire à noter son comportement. Ah si, il est sur le tableau de bord là. Ouais, je l'ai mis. Okay, ouais. Et en plus, je crois, si je dis pas de bêtises... Ouah, ouah, attention. Ah ouais. Mais il faut quoi le camion sur le côté? Bah ils veulent s'insérer. Ah. Mais comme entre l'autre qui se rabat... bref. Ouais, on est en train de découvrir une nouvelle route, on l'a jamais prise celle-là. Donc là, avec moi, et tous ensemble, on découvre une nouvelle route. Bad Württemberg. Est-ce que c'est un peu stressant, toutes les voitures qu'il y a? Et bah franchement, j'ai hâte de vivre ça dans la vraie vie. Voilà. À chaque fois, ouais, quand tu peux laisser passer quelqu'un, décale-toi, genre normal, comme en voiture. Mais en fait, en majorité, en camion, on fait pas trop ça. Enfin, je dis bon, mais en général, ils font pas trop ça parce que bah sinon, ils passeraient leur temps à faire ça. Et justement, oh, ralentir, ouais, il est fou lui. Alors, les appels de phare, c'est la gâchette à gauche, si jamais. Hein. Voilà. Ah, par contre, là, tu l'as vu. Arrêté. Tip top. Là, on va partir sur du bouchon. Là. Il y avait zéro anticipation, ni de la part de l'intelligence artificielle, ni de personne. Faut pas dire moi, c'est ça. Bah. Non, mais vas-y, en vrai, mets ton clignotant. Et voilà. Comme ça, les gens, ils se décalent. À quel moment on était sur une voie d'insertion, c'est ça, je comprends. C'est pas une voie d'insertion, c'est juste qu'en gros ça se rétrécit. C'est... Ah ok, parce que généralement c'est la voie de gauche qui se rétrécit. Ouais. Mais là on est en Allemagne. Ouais. Bon, moi ce que je te propose c'est de forcer le passage. Mais il y a de plus en plus de monde, c'est abusé. Après les... ouais. Tu sais quoi, commence à y aller tout doucement parce qu'il y en aura bien un qui va s'arrêter avant de te rentrer dedans. Voilà, celle d'après elle va s'arrêter je pense. Ah non, tu t'es arrêté. Ouais, voilà. Vas-y. Impec. Alors l'autre il passe devant. Putain, mais casse les roues toi. Voilà, on a réussi.
et on a les gendarmes, enfin les policiers. Tu fais ça bien. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment un gentil compliment que tu fais. Ça te touche. Je l'entends bien. Je l'entends, je l'entends. Éteindre les feux de croisement, du coup c'est ici là. Tu veux que je fasse? Tenez la gauche. Hein? Parce qu'il fait jour là. En fait je voulais pas tousser sur ton micro mais du coup ça bouge toute la vue. C'est gentil, bah oui. Bosch. Bah oui. Ah c'est énorme. Park House. Bah mon point connard, je croyais que ça voulait dire je croyais que ça voulait dire zoo. Tenez la gauche. Mais tu l'aimes pas. En fait le volant il est hyper léger. Ça tourne tout seul dessus. Ouais, j'ai enfin, ça fait depuis longtemps. C'est une habitude. Même dans ma voiture, on est pas aussi léger. Non, ouais. Tu vois, dès que je regarde un peu à gauche. Mais oui, mais ça c'est normal. Mais moi c'était pareil, hein. Faut avoir l'habitude. Hein. C'est pour ça que je dis à chaque fois dans le. Quand je suis en live, j'ai plus du mal parce qu'il faut que je regarde le chat. Après je pars en couille. Mais je m'y suis habitué en vrai. Et c'est carré quoi. Dès qu'on peut, faudra qu'on fasse une miniature. Dès qu'il y aura un truc sympa ou quoi. Joli, tu veux dire ? Ouais, ouais. Joli, tape à l'œil, putaclic. Waouh, waouh, waouh ! Accident en direct ! Accident en direct ! Eh, je disais il y a 10 secondes. Attends, j'ai un problème. Qu'est-ce non, mais t'as vu ça ? Bah oui. En c'est direct ! Trop violent ! Wesh ! Pourquoi l'autre il s'est arrêté aussi ? Bah, je sais pas. Oh ! Mais c'est énorme! Il y a 10 secondes, je te disais, on va faire la miniature. Non, mais attendez, mais c'est incroyable! C'est incroyable! C'est improbable, surtout! Bah ouais, en vrai, par contre, je suis désolé. La physique a été super bien faite. Hein. Genre quand ils se sont rentrés dedans, alors pas pour la moto, mais. Ouais, parce que le mec, il reste assis sur sa moto. C'est incroyable! Alors, au cas où j'en fais un autre, je sais pas encore comment. C'est énorme! Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait pas trop mal comme ça? Est-ce qu'on capte que c'est un accident ou pas? Je dirais presque que oui. Ah. Peut-être comme ça, voilà. Incroyable, t'es prête? Ça va repartir direct. Hein. 3, 2, 1. Ça c'est énorme, enfin ouais c'est énorme. Merci. Vite fait. Hein. Pauvre motard. En tout cas, c'est là qu'on voit la solidarité motarde dans le jeu. Ils se sont tous taillés. Ah, ils sont pas taillés. Il y a tellement de motards là. Ouais. Ils
ça c'est un DLC que t'as rajouté? Bah un mode, c'est carrément gratuit. Motorcycle pack. Hein? Ah, je voulais dire un mode par DLC. Okay. C'est compris. Exactement, j'avais jamais vu cette moto là par contre dans le jeu. Une sorte de... Elle est Halloween un peu là. Bon bah on a la miniature, c'est bon. C'est bon ça. Moi je peux te laisser gérer la vidéo, je me casse, j'ai plus rien à faire. Ah tu restais juste pour la miniature. Bon, c'était le dernier truc de youtubeur à faire. C'est bon ça. En vrai y a pas autant de motards sur l'autoroute. Oh, mais faut que je sorte. Ouais. Ça dépend où, ça dépend quand, mais bien sûr aussi. C'est sûr que je m'inclus au milieu. En vrai, je me suis toujours demandé, mais. Tenez la droite, puis sortez à droite. Parce qu'en vrai, tu restes sur ta voie. Oui, c'est ça. Mais bon, au moins, t'es sûr que. Tu vas pas faire un coup de. Hop! Sortez à droite. Je sais pas si faut. Je pense qu'il faut que je ralentisse. Oh, bah, vu le virage. Ouais, ça va encore. C'est joli, hein? De ouf. Ouais, tu peux y aller. Ah, tu peux y aller, rien du tout, ça va bloquer. Parce que l'intelligence artificielle, elle pue. Tu vois, c'est là. Oh là, il y a eu un accident encore. Il y a eu un accident. Bon, tu peux y aller du coup. Je me suis dit, tu sais, il va peut-être s'arrêter. Il va falloir que tu ailles avant que ça bloque. Genre, fais un peu de forcing. Ouais, c'est bon, il s'arrête. Merci. Du coup, ouais, là ça va bloquer aussi, donc pareil, tu vas pouvoir doubler encore. T'as un double accident quoi. Du forcing, on a connu maintenant. Ouais. Hop, merci bien. On va doubler les morts qui prend beaucoup trop de place. Bon, en tout cas, ah ouais. Double accident, mais l'autre on l'a vu en direct et ça c'est dingue. Ça c'est dingue. Et c'est pas un mode hein, qui fait des accidents directs, hein, c'est juste l'intelligence artificielle qui fait de la merde. C'est réaliste quoi. Je pensais pas qu'elle était aussi, aussi pour. Ouais, tu veux montrer des exemples quoi, mais. Ouais. Non, en vrai, du coup, il y a des comportements réalistes, tu vois. Ça arrive, combien de fois ça arrive ça, ce qu'on a vu en direct? En vrai, si tu veux, tu peux rouler à 90. C'est vrai? Ouais. Parce que comme si c'est une partie illimitée. Mais c'est pour ça. Non, c'est 80. Enfin, du coup, pour les voitures. Ah, t'as vu un panneau? Ouais. Ah, j'ai même pas vu. Bah, juste après l'accident, enfin, après les deux accidents, il y a un panneau de limitation. Ah, ok. Ah, oui, ça va biper du coup, mais c'est pas. Si jamais tu vois un radar ou un flic, tu. Je crois qu'il faut que tu tiennes à gauche. Ouais. Tenez la gauche. C'est bon ça. Non, t'es pas obligé de freiner. Mais je freine pas. Ah, pardon, j'ai rien dit. C'est le régulateur. En fait, j'avais pas vu que t'allais vite. Que j'allais vite. C'est toi qui m'as dit de rouler à 90. Non, mais parce que t'étais à 95 du coup. Ah, et du coup, ça a descendu. Ouais. Yes. Putain. Voilà. Et voilà. Ouais, l'autre il a freiné à temps, il va même pas rentrer dedans. Oh, si t'as rentré dedans. C'est vrai? Ah, il est totalement mort là. Ah ok. Ah ok, je continue. Là t'as tué un innocent qui a rien demandé. C'est fait. Bah c'est moi l'innocente, l'autre il voulait se rabattre sur moi. Oh là là. Ce qui m'a fasciné, c'est quand même que la voiture t'es bien rentrée dedans, qu'elle a fait. Et toi t'as fait. Oh bah ça va, elle a eu le temps. Même parce que comme ça a pas mis d'affichage de dégâts ou quoi, je pensais que. Ah j'avoue, parce en que fait. Parce que j'ai vu hein, que la voiture elle a fait comme ça. Ouais, ah. Et qu'il n'y avait pas l'affichage de dégâts du coup. Oh, ah d'accord. Je commence à bailler. Hein. Ouais, c'est possible. Mais c'est bon, en fait t'arrives à la fin de toute façon. Ok.
On est à Hesse, parce que c'est la Hesse, c'est la Hesse. C'est drôle. Ouais, que je sorte. Non. C'est pas encore maintenant. Non. Non, c'est... Ah non, c'est juste ça tout le monde. Ouais. T'arrives à la fin. Bon, jusqu'ici, t'as quand même plus ou moins bien roulé. Bon, t'as fait un accident, mais... N'importe quoi. C'est des choses qui arrivent. Ah ouais, ce sera après qu'il faudra que tu sortes. Bah, t'es chaud d'abord. J'espère que t'auras une manœuvre à faire. Moi, j'espère pas. Tenez la droite, puis tournez à droite. Wow. Tournez à droite. Et voilà. Ton clignot, il me stresse. C'est vrai? Ouais. Eh ben, je vais le laisser, alors. Ah, du coup, tu peux rester là. Là, on va ressortir, c'est ça? Ouais. Tenez la droite, puis sortez à droite. Super joli. L'avion qui sortez à droite. C'est joli l'Allemagne. Ah ouais? Ah oui, parce qu'on est à Francfort. Putain, ouais. C'est bien pensé ça. Tournez à droite, à puis gauche? Tournez ouais, à gauche. Ah ouais. Attends, hop. Tournez à gauche. Ah non, il y a le camion qui arrive. Ouais. Par contre, tu recules là, tu recules. Je sais, mais je arrête sais de stresser. Mais je sais. Arrête. En voiture, c'est pareil. Non, non, bah j'arrive arrête. J'arrive plus à avancer. Bah bravo. Bah ouais, mais bon. Mais tu m'as mis le frein à main ou quoi? Pas du tout. Ah bah ah, voilà. Ah, ça y est. Oh. Non, mais y'a rien qui va. Mais arrête de crier. Genre ça, ça m'énerve trop quand tu ah cries, ouais. Genre que ce soit dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, je crie pas en voiture. Hein. Non, mais ça va pas, c'est super dangereux. Préparez-vous à tourner à gauche. Je te rends pas compte. Déjà que t'es dangereuse. Non, mais tournez à gauche. C'est normal, hein, si vous me verrez plus dans une vidéo. Mais je rigole. Fait. Je rigole. T'as, ça y est, tu commences à t'exciter là, et tranquille. Hein. Ça y est, elle a bien roulé jusqu'ici, maintenant... Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Non, en vrai, t'auras pas de manœuvre. Préparez-vous à tourner à droite. Encore ? Tournez à droite. Vous êtes arrivé. J'arrive où ? Là, ouais. Il y a le marquage. Vas-y, vas-y. Oh, bien joué. Ah, attends, bien joué. Ok. Frein à main, c'est ça ? Ouais. Ne me regarde pas comme ça! Et tu me cries dessus. Mais non, mais parce que. On a failli mourir, voilà tout! Et bah. Aïe! Et bah, franchement. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, en commentaire là, dans le chat là? Enfin, dans le chat, je me suis cru en live. Franchement, je trouve que t'as bien roulé. Mmh. On a découvert des nouvelles routes. On a eu accès à un accident en direct, et ça, c'est magique. Ouais. Et tu t'es bien débrouillé. Quand même. Mais regarde, je te fais des compliments. Et... J'ai fait des compliments, elle les prend pas. Et dès que je commence un peu à crier, elle est là. c'est bien, bravo. Maximum de pouces bleus pour BXNO. Et puis n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et Non, mais ce que je voulais faire, je voulais avoir accès à la souris. Et ben voilà, les amis. Maximum de pouces bleus. Et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mkolo, plein de bisous. Et BXNO. Désolé. Je suis encore là. Je suis encore là. Allez, allez, ciao tout le monde. Ciao.